Aujourd'hui les amis, on est sur Brookhaven RP et on va comparer une maison Brookhaven contre une maison Barbie. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu veux apparaître sur la liste. Bon allez, c'est parti, dis-moi Darkito, t'as commencé à chercher un peu des maisons, tu sais, pour qu'on habite ensemble. Parce que là, un bateau c'est bien, mais une maison c'est mieux. Alors figure-toi que oui, et en fait, j'ai vu une maison sur Brookhaven qui a l'air vraiment incroyable. Enfin, je t'en dis pas plus, tu sais quoi, je t'en dis pas plus, et ce qu'on va faire, c'est que regarde de ton côté si tu trouves une maison, et comme ça, on va comparer, tout simplement. Alors, pas de soucis, on fait ça, cherche, moi si je vais chercher, et puis ensuite, on verra celui qui a la plus belle maison. Mais bon, je sais déjà que tu vas perdre, la mienne, elle va être incroyable. Bon les amis, c'est parti pour la visite de cette maison. Ok, elle a l'air vraiment gigantesque. Non mais franchement, j'espère qu'elle sera super bien pour nous deux. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que sa maison, là, qu'elle va choisir, elle a même pas de garage. Non mais franchement, regardez-moi la taille du garage, comme c'est gigantesque. Non, franchement, au moins, moi, j'ai un grand garage. Et j'ai même une petite salle de sport à côté. Et franchement, si là, les amis, on n'est pas bien, je comprends pas. Regardez, c'est sûr qu'elle a même pas de garage. Allez, c'est parti pour ma maison. Oh, regarde comme elle est juste incroyable. Alors moi, déjà, c'est pas un petit garage, c'est un énorme garage. Je vais te montrer ça tout de suite. Regarde. Hop là, waouh! Non mais c'est pas un petit garage, là vraiment c'est carrément une cuisine on dirait. Enfin bon, c'est incroyable. Alors là il y a un placard, là il y a des étagères. En plus on peut ranger au moins, je dirais au moins 4-5 voitures. Et regarde ici, déjà il y a un salon ici pour prendre des vidéos. Enfin c'est même pas un salon en fait, c'est regarde si je me... Je peux me mettre ici et avoir un fond vert, c'est pas trop bien? Ouais, mais comme je te l'ai dit, t'as pas de salle de sport. Franchement, regarde la salle de sport que j'ai. Bon, regarde, je peux prendre des haltères et hop, je peux me muscler. Et comme ça, à la fin, je serai franchement quelqu'un de super musclé et tu vas adorer mes abdos et tu vas vouloir me faire plein de câlins et plein de bisous sur mes biceps. Attends, attends, calme-toi quand même. Je vais te montrer ma salle de sport et on verra qui c'est qui est la plus grande. Tu verras la mienne, tu pourras faire aussi beaucoup d'haltères. Et en plus de ça, on va même pas se déranger. Allez, hop là! C'est parti pour le troisième étage. Oh là là, elle est où la salle de sport? Oh, regarde comme elle est immense. Alors, il y a la salle de danse ici, des haltères. Hop là. Ensuite, là, il y a des tapis de yoga. Encore des tapis de yoga. Il y a plein de miroirs. Regarde en plus. Regarde la vue derrière. Il y a vue sur la mer et tout. Toi, t'as ça aussi? Regarde le balcon aussi. Tu veux prendre l'air? C'est pas trop bien? Bon, oui, c'est très bien. Oh mince, comment je vais faire pour me rattraper? Faut vraiment que je trouve un truc mieux que chez elle. Voilà, il y a quoi ici? Ici, voilà, j'ai une énorme cuisine. Super, moi je peux cuisiner, je peux faire à manger. Et en plus, il y a quoi dans mes frigos? Il y a des gaufres. T'aimes bien les gaufres, non? Attends, attends, mais ça se voit que t'as pas vu ma cuisine, hein. Alors, où est-ce qu'elle est passée? Ah, c'est bon, elle est là-bas. Je vais te montrer. Regarde l'énorme cuisine que j'ai. Waouh, non? En plus, regarde, tu sais quoi, je vais te montrer que je sais faire des gâteaux. Alors moi, je vais faire quoi? Faire des biscuits au sucre. Allez, on va les faire au chocolat. Hop là, on mélange, tac, tac, tac. Bon, là, ça a l'air d'être bien homogène. Ensuite, on les met comme ça. Et en plus, tu sais quoi, il y a des biscuits en étoile, en cœur et en rond. Allez, c'est parti, go les mettre dans le four. Tac, tac, tac. On va bien les regarder... gonflé. Oh, regarde, ils ont l'air trop bons. Bon, allez, c'est bientôt prêt, j'ai l'impression. On va les retirer sans se brûler. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, puis on va mettre un petit glaçage. Bon, puisqu'il y a du chocolat, on va mettre de la vanille plutôt, il n'y en a pas. Oh, bon, notre coco, c'est génial aussi, notre coco. Voilà, tac, 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 des petits dessins. Oh, regarde, ça a pas l'air trop bon. Allez, maintenant, on va se poudrer de... Oh, l'orange, c'est vraiment pas mal. Ça va bien avec, je crois. Un petit peu d'orange. Tac, tac, tac. Oh, regarde comme ils ont l'air incroyables. Dis-moi, franchement, tu préfères tes gaufres ou mes gâteaux? Au moins, t'as fait des gâteaux orange, quoi. Mais bon, moi, je préfère quand même mes gaufres. J'avoue que mes gaufres, elles sont bonnes, non? Dites quelque chose, s'il vous plaît, les abonnés. Moi, j'ai une maison... vue sur Brookhaven. Voilà, une belle vue sur Brookhaven. C'est beau. Et en plus, regarde, j'ai une énorme piscine. Et plouf! Et ouais, je suis sûr que t'as même pas de piscine et que tu peux même pas faire ce que je fais ici. Franchement, ici, je suis trop bien. Regarde, j'ai mon petit coin salon. Ici, on va pouvoir se faire des barbecues. Hop là, je peux m'installer comme ça. Et là, je suis vraiment trop trop bien. Franchement, cette maison, elle est trop bien. Non, mais vraiment n'importe quoi. Tu sais quoi, ta piscine, ce que c'est?
Eh bien, c'est la piscine annexe que j'ai de l'autre côté. Regarde, moi, j'ai celle-ci. Elle est au moins, comment dire, au moins 10 fois plus grande que la tienne. Et en plus de ça, c'est marqué Barbie à l'intérieur. Et en fait, c'est pas n'importe quelle piscine, hein. C'est une piscine tropicale. Regarde, il y a un énorme toboggan. D'ailleurs, je vais te montrer à quel point c'est trop bien. Attends, je t'ai pas dit, en plus, il y a des transats partout. Tatoue ça, des transats. Moi, j'ai vu comme quoi ça a l'air d'être tout petit, ta piscine. Il y a un petit plongeoir par là. Hop là, on monte sur les rochers. Tac, tac, tac. Bon, attends, tu sais quoi? J'ai peut-être pas à me mouiller pour toi, hein. Regarde la maison quand même. La tienne à côté, elle a l'air vraiment fade, hein. Non, elle est pas fade du tout. Non, tu mens, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en plus, moi, regarde, j'ai un étage avec, regarde, tu vas voir. Déjà, j'ai un écran plat, je suis sûr que t'as même pas un écran plat aussi grand. Non mais ça, franchement, si ça, t'as un écran plat aussi grand, je comprendrais. Pourquoi il y a un cochon? On va changer, hop, hop, hop. Voilà, du sport. Comme la salle de sport. Et en plus de ça, regarde, attends, je t'ai pas montré, il y a plein de chambres. Regarde, il y a une chambre ici. Hop là, il y a encore une chambre ici. Et ouais, ça fait 2 chambres. Ici, j'ai une salle de bain avec une douche. Et en plus de ça, tu vas voir à l'étage tout ce que j'ai encore. J'ai plein de choses. Déjà, j'ai plein de chambres et je suis sûr que t'en as même pas autant. Je suis sûr que t'en as même pas une seule. Non mais attends, t'as même pas vu la grandeur de ma maison. T'imagines même pas le nombre de chambres que j'ai. C'est carrément, comment dire, on pourrait ouvrir une maison d'hôtes, tu vois. Un hôtel. Bon, allez, je vais te montrer ça. Alors déjà, moi, j'ai 4 étages. Un ascenseur. T'as un ascenseur, toi? Ah oui, je crois que t'en as un. Bon, le mien, il est quand même beaucoup plus beau. Allez, on va aller au 2e étage. Je vais te montrer tout de suite les chambres. Alors, bon, bah ça, c'est un petit salon, tu vois. Parce que c'est même pas des chambres, moi. Ça va être des suites, tu vas voir. Alors ça, bon. Oh là, je suis pas au bon étage ou quoi? Là, je suis dans ma salle de couture. Et oui, bah ça, c'est sûr que t'as pas. Bon, on va aller voir de l'autre côté. Oh non, c'est toujours pas ça, c'est ma salle de musique. Ah, d'ailleurs, attendez, je vais vous faire un petit morceau. Hop là. Alors oui, j'ai envie de faire ma carrière de musicienne. Ou alors, comment je dois faire? Attendez, il faut que j'aille là-bas. Ah voilà, c'est ça, démarrer. Je vais vous montrer. Allez, hop là. Saxophone. Oh, regardez, je suis vraiment trop forte. Un peu de triangle. Tac, 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 tac. Oh là là, c'est vraiment trop bien. Et ensuite, on va jouer un peu au piano. Tac, 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 tac. Bon, là, c'est vraiment trop bien. Attendez, j'ai beaucoup trop d'instruments. Il y a quoi là-bas déjà aussi? Voilà, on a arrêté. Et là, maintenant, on va danser. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est trop bien, regarde. Je danse trop bien. Wouh. Bon, allez, c'est bon. Je crois que j'ai fini, là. Et voilà. Attends, et sinon, j'ai totalement oublié. Tu m'as parlé d'un... C'est quoi, ça? D'un... Mais, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Eh oh, pourquoi il y a quelqu'un chez moi? Mais t'es qui, toi? Eh oh, qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est vraiment bizarre. Bon, sinon, alors, on parlait d'écran plat. Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite. Parce que ton petit écran, eh bien, pour moi, c'est... disons, un quart de l'écran qu'il y a dans une pièce. Attends. Elle est tellement grande, cette maison, que je suis en train de me perdre. Ah, là-bas, regarde. J'ai un énorme écran plat. Attends, je vais te montrer. Déjà, d'ici, bon, on dirait qu'il est petit, mais tu vas voir, je vais mettre à côté. Tu vas comprendre la taille. Regarde. Non, mais attends, il fait 2-3 fois ma taille. Au moins 4 fois, peut-être. Ouais. Tu montes plein de trucs depuis tout à l'heure, de la musique et tout, mais t'as jamais fait de la musique depuis qu'on est ici. C'est ton nouveau talent, tu veux me faire croire que c'est bien. Mais regarde, moi j'ai une cheminée, ça c'est trop bien. Je peux me mettre au chaud comme ça, ici. Et en plus, attends, t'es même pas prêt de ce que je vais te montrer. C'est où? C'est la 2e chambre, regarde, ouais, j'ai plein de chambres. J'en ai encore une ici, et encore une ici. Et ça c'est notre chambre, ça sera la nôtre. Et en plus de ça, regarde, j'ai un bain. On pourra prendre un bain tous les deux, bien au chaud. Et ouais, t'as pas ça toi? Oh mince, j'ai failli oublier de te montrer les chambres. Bon, allez, direction le 3e étage. J'espère que c'est bien ici. Alors, déjà, les chambres, elles sont où? Bon, là, c'est la chambre, tu vois, de nos futurs enfants. Et là, ils ont même leur propre salle de bain. Attends, attends, j'en ai une plus grande ici. Alors, celle-ci, ça va être la nôtre. Et regarde, il y a un dressing, un écran plat, un petit salon, un énorme linking size. Attends, mais je t'ai pas montré, il y a la salle de bain en plus. Il y a une baignoire. Bon, je suis d'accord, elles font à peu près la même taille, mais la mienne, elle est beaucoup plus jolie. Et en plus, tu sais quoi? Regarde l'écran d'ici. Il est encore plus grand qu'en bas. Il y a même piscine ici, regarde, c'est la taille de ta piscine à toi. Et tu sais quoi, regarde derrière. Il y a un terrain de tennis. Et il y a un toboggan aussi, regarde, qui relie une chambre, je crois que c'est une chambre à l'étage, jusqu'à la piscine. D'ailleurs, je vais te montrer comment on fait.
Hop là, on monte au quatrième. Attends, tu montes plein de trucs, mais moi aussi, regarde, je peux sauter d'ici dans la piscine. Et regarde, si je prends un petit peu d'élan, attention. Ah, hop là, et ouais, moi aussi, je peux sauter dans une piscine. Mais ça va pas ou quoi? Et qu'est-ce que tu me fais? C'est nul, en fait. Moi, je vais te montrer carrément, tu prends le toboggan du balcon, regarde. Allez, c'est parti. Waouh. Oh là là, je suis trop bien. Et en plus, il y a une énorme chambre à l'étage. Allez, on y retourne. Quatrième étage, hop là, regarde. Il y a un énorme espace ici, là, je sais même plus ce que c'est. Regarde, on dirait vraiment une salle de bain pour les hôtels. Ça aussi. Oh là là, regarde, il y a une énorme chambre là. Mais bon, celle-ci, on la laissera, je pense, à Mini Darkito. Qu'est-ce que t'en penses? Il sera bien ici, non? Peut-être avec Mini Miss Darkito, qui sait? Ah, donc maintenant, tu veux qu'il revienne? Ok, j'ai compris. Mais en tout cas, moi aussi, j'ai de la place. Regarde, j'ai même de la place pour Mini Miss Darkito. C'est-à-dire notre petite fille. T'imagines? Non, mais franchement, il y a de la place pour tout le monde ici. Non, ça, c'est pas une chambre, c'est une salle de bain. Et là, il y a quoi d'autre ici? Bah là, c'est la nôtre. Et là-bas, je crois que c'est pour les enfants. Ouais, on va dire que c'est pour les enfants aussi. Regarde, on peut même se mettre au soleil tranquillement. Mais alors, n'importe quoi, c'est même pas une chambre d'enfant. Moi, j'en ai une énorme de chambre d'enfant avec plein de lits, t'imagines même pas. Et toi, là, tu me sors un lit king size, mais ça va pas. Alors, où est-ce qu'elle est, cette chambre? Oh là là, je sais même plus où elle est. C'est un vrai labyrinthe, cette maison. Mais d'ailleurs, je peux créer des vêtements, moi. Allez, tu sais quoi, je vais te montrer. Je vais faire un petit cours de couture. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, apparemment, il faut que j'aille là. Hop là. Là, on va coudre et tac, tac, tac. Oh, regarde, je t'ai cousu un espèce de pull. Bon, tu sais quoi? Je sais que ta couleur préférée, c'est l'orange, mais du coup, bah, il n'y en a pas. Alors, on va prendre du noir. Ou tu sais quoi, du rose, ça te fera du bien. Allez, hop là. J'ai choisi le tissu maintenant. Bah, maintenant, on va essayer de coudre ça. Hop là. Bah, je pense que... Attends, on va être un peu noir. Je crois que ça va pas trop bien, le rose et noir. Bon, allez, on recoue. Oh, regarde ton pull, il est pas trop beau. Allez, je te l'emmène ce soir. Bon, alors, cette chambre, on va essayer de la retrouver. Ah, d'ailleurs, attends. Tu me parlais d'une cheminée. Moi, j'ai mieux que ça, regarde. C'est une cheminée moderne, même pas plus brûlée avec ça. Attends, je te vais montrer, ça, c'est la salle à manger. Et il y a encore une cheminée. Oh, regarde cette chambre d'enfant. Alors, il y a un plafond étoilé. Ils ont trois petites tentes. Attends, je vais te montrer l'intérieur. Regarde, il y a 6 lits ici. On pourra faire carrément des soirées pyjama. Et en plus de ça... Eh ben, attends, c'est quoi déjà? Ah, ben, c'est la sortie. Ah non, regarde, c'est une salle de bain. C'est pas top, regarde. Ils ont des toboggans pour sortir de leur lit. Oh, je pense qu'ils vont être ravis d'aller à l'école, hein. Et un écran plat. Enfin, c'est un projecteur, mais ils vont pouvoir regarder des animés dans leur chambre. Non, mais tu rigoles ou quoi? Regarde ce que j'ai, moi. Je vais te montrer. Hop là. Attends, c'est où déjà? Ça doit être à l'étage ou en bas, je crois. En plus, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est trop belle, ma cheminée. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Je crois que c'est ici. Hop là, regarde. Et là, j'ai mis l'aménagement pour les bébés. Regarde. Ils ont des petits jouets ici. On peut avoir des bébés ici avec un petit nounours. Regarde en plus le nounours, comme il est trop mignon. Et salut, doudours. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Pourquoi il parle? C'est bizarre ça par contre. C'est pas normal. En tout cas, c'est vraiment bien. Regarde, je suis sûr que dans notre chambre, il y a un truc pour les bébés. Ouais, regarde, il y a un truc pour les bébés. Et ouais, nous, franchement, on sera des bons parents dans cette maison. Non mais n'importe quoi, t'as vu la maison que je t'ai montrée? Mais elle a même pas de quoi hésiter, elle est immense. Et même si on veut, tu sais quoi? On va pouvoir inviter plein d'abonnés à dormir chez nous, t'en penses quoi? Plein d'abonnés? Non mais attends, plein d'abonnés à dormir chez nous. Oui, mais non en fait, non, je suis pas d'accord, ma maison elle est vraiment belle, regarde là. Attends, tu sais quoi, tu vas changer d'avis quand je te montrerai le jardin. Regarde, il y a des petites allées en pierre comme ça, il y a un grand B marqué Barbie. Et là, regarde la taille de la maison, non mais vraiment c'est immense, non? Mais t'inquiète pas, pleure pas, t'auras le droit de mettre quelques décorations. Bon, je suis d'accord, mais il y a quand même beaucoup trop de roses. Mais vraiment beaucoup trop. Mais en tout cas, bah, bravo, je crois que t'as trouvé la meilleure maison. J'espère qu'elle sera encore disponible quand on va vouloir l'acheter, mais j'ai même pas envie qu'on l'achète. Il y a trop de roses.
Oh, mais ça c'est rien, tu sais, le rose, c'est beau. Mais tu sais, la tienne aussi a été pas mal. Par contre, elle est au moins, comment dire, au moins 10 fois ou au moins 20 fois plus petite que la mienne. Ouais, de toute façon, c'est aux abonnés de décider sur quelle maison on doit acheter. Et j'espère vraiment qu'elle sera plus disponible, la maison Barbie. S'il vous plaît, faut que quelqu'un l'achète, vraiment, faut que quelqu'un l'achète avant. Oh non, dis pas ça, j'ai vraiment pas envie d'être dans la tienne. La maison Barbie a été incroyable. Bon, les amis, dites-moi laquelle vous préférez. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos.